Jean-Joseph Boileau, bonjour. Bonjour. Quels sont les principaux avantages pour les Africains de cette fameuse zone de libre-échange ? Écoutez, c'est de mettre fin à la structure économique finalement très néocoloniale où l'Afrique n'exporte que des produits primaires et importe tous les produits industriels. Et on reste finalement, à cause de cette structure, sur les bords de mer, sur les ports. Et vous savez comme moi que l'Afrique va voir sa population bondir à 3 milliards d'habitants. Dès lors que tout le monde se concentre sur les zones portuaires, sur les mégalopoles portuaires à cause de cette structure économique, finalement, ça conduit à ces concentrations absurdes que l'on a à Dakar, etc., etc. Donc, un commerce intégré au continent permettrait de valoriser la totalité du continent africain et de créer un marché commun, car ce n'est pas une zone de libre-échange, contrairement à ce qu'on entend trop souvent. C'est une zone de libre-échange, mais dont la finalité, comme pour l'Union européenne, est de créer un marché commun protéger des importations et permettant de valoriser une industrie locale. Mais est-ce que ce ne sont pas des pays comme l'Égypte, le Nigeria ou l'Afrique du Sud qui risquent d'être les seuls à en profiter réellement ? Non, parce qu'en réalité, d'après la théorie économique, dans une zone de libre-échange, les petits pays vont pouvoir avoir accès à des grands marchés. Par contre, le rôle des grands pays sera déterminant, bien sûr, il pèse lourd, pour définir les règles d'origine, les normes environnementales, etc. Donc c'est un bon équilibre, petits, grands, en général, sont gagnants dans des structures, attention, de marché commun. Mais au niveau local, est-ce que les petits producteurs agricoles ou industriels ne vont pas être soumis à la concurrence des produits manufacturés du Nigeria, par exemple ? Alors, il y a effectivement, on va dire, un risque de ce que les grands marchés intégrés de type Nigeria, Afrique du Sud, qui ont déjà des économies d'échelle leur permettant de produire à bas coût, concurrencent effectivement des producteurs locaux. Inversement, on voit bien avec les exemples historiques du zone de libre-échange, les petits pays vont pouvoir se spécialiser, eux, sur les productions où ils ont les meilleurs avantages comparés, liés au climat, au savoir-faire, aux traditions historiques. Et à ce moment-là, simplement, l'ensemble africain va aller vers des zones un peu plus spécialisées. Et ça va être le rôle des petits pays de définir des politiques industrielles cohérentes avec cette zone de libre-échange pour en tirer le maximum de bénéfices. Mais je rappelle, à l'échelle historique, les petits pays sont toujours les gagnants des zones de libre-échange. Pour vous, c'est un traité qui est vraiment aussi prometteur qu'on nous le dit ou il y a quand même beaucoup de risques ? Non, il y a beaucoup de risques très très importants. Le premier, c'est que les partenaires extérieurs de l'Afrique, États-Unis, Europe et surtout la Chine en ce moment, n'imposent des droits de douane beaucoup trop bas qui ne permettent pas finalement à l'industrie africaine de se développer. Et le deuxième, qui est très important, c'est le risque environnemental au sens large du terme, c'est que les normes environnementales et aussi sanitaires ne soient trop flexibles, trop souples et qu'on exporte vers l'Afrique les cochonneries du reste du monde. Jean-Joseph Boileau, merci.